Voilà. Bon, on va commencer. Vous m'entendez tous là, c'est bon. Sinon, il y a le Twitch. Hein. Donc, oui. On est toujours le 11 novembre 2022. Donc, c'est la pêche dangereuse. La pêche dangereuse. C'est-à-dire que il va falloir trouver le code PIN. Ah, je vais vous dire un indice. Et vous avez 20 minutes à partir de maintenant hein, que je vais lancer Alexa. Vous aurez 20 minutes pour faire le mini-jeu qui est pêche dangereuse. Si vous êtes mort, donc vous réapparaissez, vous pouvez aller chercher vos affaires. On ne lui prend pas, on ne lui vole pas. Hein. On lui laisse ses affaires. Vous allez chercher vos affaires et vous êtes disqualifié, c'est fini pour vous. D'accord ? C'est bon ? On a le droit d'avoir une lance. Je vous ai dit de venir avec une armure. Voilà. Après, vous allez commencer, mais il n'y a plus le droit d'aller à l'aigle. L'aigle, vous l'oubliez. Si votre aigle il se fait attaquer, je le défendrai. Hein, puisque moi, je reste ici. Ok, c'est bon ? Voilà. Donc, je vais démarrer l'épreuve et je vous donne l'indice juste après. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Le code PIN est derrière un gros arbre. C'est parti. Voilà. Donc, ils ont l'indice. Il y a des arbres dans l'eau. Qui c'est qui est parti dans l'eau? Qui c'est qui est parti dans l'eau, là? J'en ai vu un partir dans l'eau, non? Il me semble. Non. Ceux-ci cherchent les arbres dans l'eau. Alors. Ah, ça y est, déjà? Ils sont déjà... Ouais. Et ils sont... Ah, ça y est, il a ouvert. Il a déjà... Non, mais... Franchement. Alexa, tu mets une alarme dans 18 minutes. Deuxième minuteur, 18 minutes. À partir de maintenant, vous devez vous donner un nom de ces minuteurs. Fin de mini-jeu. Voilà, ok. Allez, c'est parti, ça y est. Ils ont eu les instructions. Bah, pourquoi ? Si, la porte est ouverte. Profite, hein. T'as pas trouvé le code PIN ? Ah ouais, bah alors. Qu'est-ce qui était écrit sur la pancarte ? On va aller voir. Voilà, tout le monde y est, ça y est, tout le monde y est. Ils cherchent, donc ils regardent les instructions. Je vais vous montrer où était la pancarte pour les Twitchers. Pour les télé-Twitchers. Faut les tuer au... Comment, Dahu, tu m'as dit quoi? Il y a une lance dans ton... Bah, il y a un... Ouais, non, rien. Ouais. Tu peux l'aider. Mais regardez bien les consignes, hein. Regardez bien les consignes. Alors, tu as ta cabane, Dahu, c'est marqué sur la pancarte. Ouais, voilà, c'est ça. Toi aussi, tu vois. T'as pas lu? J'ai un piranha, moi. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi. Ok, j'arrive. Bon, t'es combien? Le maximum, Dahu. Donc, qui c'est qui m'a amené le premier, là? C'est moi. C'est-à-dire Ostone, d'accord, ça marche. Je note. Allez, Ostone 1. T'avais pas vu qu'il y avait deux pancartes, toi? Ah bah voilà, tu vois. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, moi, attends. Voilà, hop. Eh ben, il y en a deux. Voilà, Ostone. Donc là, je reste ici. Je vais vous faire voir où était la pancarte. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur la pancarte, puisque le code PIN, j'aurais dit qu'ils étaient derrière un gros arbre. Alors, code PIN de la grande cabane 7575, et c'est marqué « Laisse la porte grande ouverte ». Donc, voilà. Alors là, j'ai quelqu'un qui est rentré, c'est qui ? C'est Patou. T'en as ramené un, d'accord. Tu l'as mis où ? Il est là. Okay. Bon, j'arrive pas à le péter. Bon, c'est pas grave. Ah, ça y est. Allez, Patou. Patou, 1. C'est bon, Dahu, tu arrives ? Il faut tuer les piranhas, ne pas les dépouiller, et ramener le piranha dans la cabane, dans la grande cabane.
Donc s'il y a quelqu'un qui meurt, bah, qu'il le dise, hein, il est disqualifié, quoi. Hein ? Au stone 1 et toi 1. Non. Ah non. Alors là, c'est pas... Je sais qu'il y a beaucoup de piranhas, hein, que ce soit à droite ou à gauche. J'ai failli leur fournir des palmes, mais j'avais qu'une paire et j'avais pas le temps de d'en construire 4 autres. Ah bah c'est bon, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, en voilà un, non. Oui, Dahu. Je le mets où ? Tu le mets dans la cabane. Bah, il est où ? Tu en as pas, là ? Il est là. Il est où ? Il est là. Bah, je le vois pas. Bah, devant moi. Devant toi. Bah, regarde. Bah, non. Ah, ça y est, ouais. Non, il y a eu un bug. Excuse-moi, Dahu, excuse-moi. Excuse-moi, Dahu, hein. Je mets où ? Mets-le au sol. Ouais, au sol et tu repars. Il n'y a pas de problème. Voilà, Dahu a ramené son premier superbe. Et il y a Patou, c'est ça ? Ok. Patou, Dahu. Eh bien. Ah oui, là, c'est une, déjà un petit peu plus compliqué, moi les pierres. J'ai un poisson. Ah. Vas-y, rentre-le. Donc, c'est... Ah bah, ah, il a la tenue de plongée, lui. Max, Max, ok. Ah ouais, là. Oh purée, j'arrive pas à le péter lui. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, y a des bugs, hein. Les poissons, mais... On en a ramené un, on dirait. Ok, donc là c'est au stone, hein. J'ai pas vu. Ouais, c'est au stone. Ok, j'ai pas vu ton poisson par contre, hein. Il y a des bugs, je les vois pas en Twitch. Alors au stone, un poisson. Bizarre ça. Traîner le corps. Non, je peux même pas le prendre. Traîner le corps. Non, je peux pas. Ah ouais, bah tant mieux. Hein. Bah, il doit tous les tuer, mais il peut pas les... Mais c'est pour se défendre aussi. Quand les piranhas ils t'attaquent, t'es obligé de les péter. Hein. Là, ils ont 20 minutes. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Un autre. Tu le vois, là ? T'es où ? T'es là ? Non, je le vois pas. Mets-le dedans. Je le vois pas. Hein. Tu verras la vidéo. Ah, ça y est, là, ça y est. Ouais. Là, je le vois, ouais. Tu le mets dans la cabane, oh, Dahu. Pas de problème. T'as vu, il y a un bug. Vas-y. Ah, tu m'étonnes. C'est bon, un autre pour Dahu. T'en as un, toi ? Ah, je le vois pas. Ah bah tu verras sur le Twitch. Hein. Ah c'est normal papy, c'est l'heure de l'apéro. Ouais t'as raison ouais. Bon là je regarde si les eggs se font pas. Non c'est bon. Ok. Excuse. Oh Fatch. Alors je sais qu'il y a beaucoup de piranhas ici, hein. C'est pour ça que j'ai fait cette petite épreuve ici. Bon, il y en a un qui a ramené sa combinaison de plongée, il l'avait sur lui, c'est... Bon, j'espère qu'il n'a pas été le chercher dans son aigle après, hein, parce que c'est plus du jeu après. Hein. S'il l'avait sur lui, bah tant mieux, hein. Voilà, c'est bingo, hein. Ben ouais, mais il risque de la perdre hein, s'il se fait tuer, il n'a pas de sac de couchage, je sais pas moi.
où il y a beaucoup de piranhas autour, il ne peut pas récupérer son corps. Bon, c'est le kit ou double après. Hein. Je les ai... Ah, il les a tout le temps sur lui. D'accord, Max. Ok, ça marche. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai pas tout le temps sur moi. C'est pour ça que je me posais la question. On a un autre. On est, t'arrêtes pas au bahut, hein. Dahu. Non, je vois pas. Ah, ça y est, tourne autour de toi. Ostone, c'est ça, hein. Ostone, t'en as eu un, là. Hein. Baobab, excuse-moi. Baobab voilà. Et Dahu. Ok, ça marche. Baobab. Ah bah c'est ton premier Bao. Hein. Et Dahu. C'est ça, Baobab. Ok, ça marche. Ah, il est en tenue de camouflage, Baobab. Salut Nico Clash, excuse-moi, je t'avais pas vu. Comment vas-tu? Bien? Pec pec, il n'y a pas vraiment de dis donc, il y avait plus de monde tout à l'heure et bah, tout le monde est parti là. C'est pas grave, ils regarderont la diffusion. Bah ouais, ça va, tranquille Nico Clash, hein. On est en pleine épreuve là. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a 5 participants. Hein. Ouais, c'est ça, 5 participants. C'est le maximum qu'on ait eu. Hein. Donc je suis content parce que Dahu, bah, il a réussi à pouvoir venir un petit peu en spectacle, hein, parce que je me suis fait bouffer par son dimorphodon. je sais pas comment ça se fait qu'il m'a attaqué, j'avais rien fait. C'est bizarre, il était peut-être en agressif et il est passé trop près de moi, je sais pas. Oh là, ça court là-bas. Ah, j'aurais dû prendre une longue vue, tiens. Là-bas, il y a des mouettes. Bon, ça va, ils sont assez loin parce qu'on s'est fait attaquer par des mouettes tout à l'heure. Alors, le Nico Clash, je vous envoie bien le bonjour à tout le monde. Hein. Patou te dit bien le bonjour aussi, Nico Clash. Donc le temps s'écoule. Hein. Pour l'instant, en tête, on a Patou et Dahu. Ostone, non, il en a deux, Ostone, non. Toi, t'en as 3, Dahu, il en a 3, Max, il en a 1, et Baobab, il en a 1. Bon, je peux prendre mon aigle, hein, de toute façon, pour voir un petit peu. Où c'est qu'ils sont tous, là? Ah, là, j'ai un participant. Après, je sais pas si on peut avoir un... ramener un poisson alors qu'on est en aigle ou en oiseau, quoi, en ptera et tout ça. Alors là, j'en ai deux, là. J'ai Ostone et Max. Chacun un, Ostone et Max, c'est ça? Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais, superbe. Ok, Ostone et Max. Ostone et Max. Ostone, Max. Ah, le petit compi. Ok. Voilà, ça c'est celui-là de Ostone. Ok. Donc là, il y avait noté quoi? Ramène le maximum de piranhas morts dans cette cabane. Et il y avait une autre pancarte. Ouvre ta caisse car cela pourra t'aider. Donc dans la caisse, qu'est-ce qu'il y avait? On va voir. Moi, j'ai ma caisse qui est ici. J'avais participé. Ils avaient chacun une lance. Et ils pourront la garder.
il n'y a pas de souci. Ou la mettre au broyeur, bien sûr, c'est comme tu veux. Il y en a un autre. Oh, voilà, il arrête pas. T'arrêtes pas d'AUD. Okay. Ouais. Mais je le vois pas, mais. Non, je le vois pas. Merde. Ça y est, je le vois. Voilà. Ouais. Comment ça se fait que tu le fais apparaître? Comment? Je comprends pas. Je le balance par terre. Ah, d'accord, ok. Ouais. Super. Allez, un de plus pour Dahu qui prend la tête. Donc moi, je vais les détruire pour éviter tout amalgame. Voilà. Ah, d'habitude, il y en a beaucoup plus que ça. Hein. C'est infesté de piranhas. Là. Quand j'ai besoin de viande de poisson, je prends mon spino et je vais tous les éclater dans l'eau. Et j'en ramène un max. Et ils sont surtout par là. Les colacantes, ça marche pas. Je sais pas s'il y en a par là. Non, c'est des colacantes. Il n'y en a pas trop par là. C'est plus vers le marais. Vers le marais, il y en a un paquet. Donc, dès que Alexa sonne, c'est fini. Hein. On revient à la cabane. Là, on a des colacantes. Là, je crois que j'ai un piranha là. Non. Là, j'ai plein de colacantes. Ah ouais, là, il va vachement loin. Là, c'est toi, ça, non? Ouais. Ah ouais, tu vas vachement loin. Tu vas vers le marais, là. Wow. Je sais pas si on peut le prendre sur l'aigle. Le poisson mort, on peut le prendre dans les griffes, il me semble. Hein. T'es sûr? Ah, qui c'est qui a son aigle, là? Qu'est-ce que tu prends dans ton aigle? Je prenais rien. Ok, ça va. Est-ce qu'on peut prendre un poisson mort dans les griffes? Il me semble. Hein. Je pense pas. Appuie. Oui, ok, Dahu, pas de problème. Oh bah Dahu, il carbure. Hein. Ah ouais, il dépote. Hein. Wow. Il m'impressionne, franchement. Là, Ah, c'est qui là? C'est toi? Ok, ça marche. Bon, je l'ai entendu. Ah oui, il est là. Je le voyais pas. Laisse les mouches, toi. Hop. Désolé, je dois déconnecter. Ah zut. Merci pour le mini-jeu, mais je dois y aller. Ok, ça marche, Max. Bon, bah écoute, hein, je fais les calculs, tu regarderas la diffusion. Et si t'as gagné, je te les mets de côté. Y a pas de problème. Mais ouais, t'en as que deux, non? T'es dans les quatrièmes. Bah écoute, passe une bonne soirée. Merci d'être passé, Max. Hein, c'est super sympa. Et puis à bientôt, alors. J'ai un poste bientôt, merci à toi. Ok, salut Max, bonne soirée, hein. Ciao. Austone, t'en as un, c'est ça? Salut Max. Ouais, j'ai un poste. Ok, Austone, ça marche. Vous le voyez? Non, je le vois pas, mais pose-le, je verrai dedans. Ah, ça y est, je le vois, ouais, ok, superbe. Super. Austone. Bon, bah Max nous a quittés, hein. Il avait un rendez-vous, il devait déconnecter. Mais bon, c'est sympa, il est venu participer, c'est génial, c'est sympa. C'est pas grave, hein, même si vous pouvez pas finir le mini-jeu, vous devez partir. Le principal, c'est que voilà, vous soyez là. C'est cool.
Donc moi je vais tuer un poisson, un colacanthe, je vais le ramener et je vais voir si je peux le prendre avec l'aigle. Parce qu'il n'est pas interdit de prendre l'aigle, hein. Il n'y avait pas de consigne particulière pour prendre, se servir d'un autre dino. Hein. C'est voilà, faire tout son possible avec tout ce qu'on a su. Ah, Alexa, stop. Ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est fini à tout le monde. L'épreuve est terminée. L'épreuve est terminée. Donc là, attends, parce que. Attention, il y a des mouettes. Bah alors, Baobab, t'en as pas trouvé? C'était pas terrible. Donc j'aimerais bien tuer un colacanthe et puis. Non, hein, c'est. Ouais, c'est pas évident. Hein. Attends, je vais essayer de péter un colacanthe et puis essayer de le ramener avec l'aigle. Sinon, c'est fini, hein, c'est terminé. Hop, je ferme là. Je change de code PIN. Voilà, comme ça, plus personne pourra y aller. Hein. J'ai fait n'importe quoi vite fait. Pour poquer. Et là, je vais essayer d'aller chercher un colacanthe. Et c'est bon, hein, c'est fini. Hein. Ce matin, je tombais que sur ça. Bah ouais, tu vois, là. Bon, attends, je vais essayer de. Parce qu'il me semble qu'on peut prendre les animaux morts dans les griffes. Hein, il me semble. Hein. Parce que là, vous auriez été directement au marais avec l'aigle. Vous avez un carton. Hein. Là, j'ai un colacanthe. Hop, tu dégages. J'enlève ça. Non, j'enlève ça. Je le prends. Traîner le corps. Voilà. Voilà, je vais le déposer. Voilà, je le dépose. Il est là. Il est là. Et je vais le prendre dans les griffes. Enfin, je vais essayer. Hein. On verra bien. Voilà. Walou. Walou. Je réessaye. Oh, je crois que je l'ai. Non. Non, on peut pas. Hein. Le C peut-être avec le bec. C'est le C, le bec. Hein. Non, on peut pas. Ok, je pensais qu'on pouvait prendre des poissons morts, mais non. Donc l'aigle n'aurait pas servi à grand chose. Ok. Alors on va faire les comptes, hein, les amis. On va faire les comptes. Alors, premier, c'est Dahu. Dahu avec 5 poissons. Dahu, t'es là? Il est barré. Dahu! Il est où, Dahu? Il fait un feu là-bas, non? Dahu. Attends, je vais l'appeler comme ça. Il fait un feu là-bas, c'est lui, non? Tu viens? Ok, bon, il était parti, je sais pas où. Donc, premier Dahu avec 5. Deuxième Execo, Patou et Ostone. Moi, je mettrais Patou en deuxième, voilà. Si tu es d'accord, Ostone. Ouais, c'est moi le feu, d'accord, ok. Ah non, c'est Ostone. Ostone, si t'es d'accord, moi je mettrais Patou deuxième et toi troisième parce que Patou l'a ramené en premier. Donc voilà, je voudrais savoir ce que t'en penses. Si t'es d'accord ou pas, ou si ça te dérange ou pas. Tu peux me dire Ostone. Ah, parce que l'autre fois, il y a eu aussi un niveau 130 de colacanthe. Si tu t'en rappelles, tu y avais participé. Et c'était le premier qui l'avait ramené et c'était Baobab. Et Patou l'avait ramené en deuxième. Ouais, ok, ça marche alors. Merci Ostone. Dahu, tu peux ouvrir la caisse de la première, puisque tu es premier. Hein, Comment tu as gagné ? Ouais, c'est toi qui as gagné avec 5 poissons. T'as cartonné. Ah bon ?
Ouais. Alors, c'est que des 8, le code PIN. Que des 8. Donc, on regarde ce qu'il a gagné. Les prends pas tout de suite. Je montre au télé-twitcher. Alors, tu as gagné 5 croquettes exceptionnelles. Un casque en métal légendaire avec une armure de 288. Et 10 bolas. Est-ce que ça te fait plaisir, Dahu? C'est bon? Ah, ouais. Ah, super. Je suis bon. Pas gros temps. Ah, bah super, alors. Tant mieux. Deuxième, donc on n'a pas tout ex-aequo avec Ostone, mais elle a ramené son premier poisson avant Ostone. Tu peux prendre la deuxième caisse, c'est que des 8. Que des 8, ouais. Ah, que des 8. Que des 8, tu vas faire avec ça. Voilà, donc on va voir ce qu'a gagné Patou. Alors Patou, elle a gagné Cibola, une lance à 162% d'attaque, c'est une épique, et 10 croquettes supérieures. Est-ce que ça va, c'est bon? T'es cool? Ah super, bon bah tant mieux alors. Vas-y, tu peux les prendre. Ostone, donc troisième Ostone. Vas-y, c'est que des 8 aussi, hein, pareil. Alors, on va voir, tu laisses un petit peu que je regarde pour les télé-twitchers. Ça s'ouvre pas? Que des 8. Voilà, c'est bon. Alors, Ostone, il a gagné 15 croquettes basiques et une hache inhabituelle à 123%. Est-ce que ça te va, Ostone? Est-ce que tu es content? Je t'entends pas, Baobab. J'ai vu ton micro. Ouais, c'est bon. Ah, super. Bon, bah, tant mieux. Bon, bah, Baobab, merci d'avoir participé. Hein, tranquille. Ouais, de rien, de rien. Ah. Et puis, bah, tu feras la mieux la prochaine fois, Baobab. Donc là, ça sera les épreuves de la grande cabane. Hein. Donc, je vais améliorer la maison des trois premiers gagnants. Je vais peut-être mettre leur premier mur. Et puis, ils auront une bonne petite cabane de quatre fondations. Voilà pour ce soir. Bon bah merci d'avoir participé, c'était super génial. Et puis bah je vous donne rendez-vous pour un prochain mini-jeu, certainement vendredi prochain, puisque dimanche on fait l'alpha. Et peut-être mercredi, mais bon, faut que je trouve des idées, hein, c'est pas évident. Voilà, donc salut à tous, hein, merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous donc pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao et bon jeu à tous. Ciao, merci. À toi aussi, bon jeu. Je crois pas que tu puisses le prendre en griffe. Non, on pouvait pas, Nico Clash. On pouvait pas, j'ai essayé, ouais, non, je pensais, hein, franchement, je pensais qu'on pouvait. Bon, voilà, bah, c'était une bonne petite épreuve, là, je suis content, ça s'est bien passé, à part le début, avec le dimorphodon, je me suis fait défoncer. Mais bon, bah, ça arrive, hein, voilà. Bon, bah, ils ont eu des petits lots, là, hein, tranquille, un petit peu plus mieux que la petite cabane, hein, évidemment. Mais bon, c'était pas évident, hein, de péter des piranhas, parce que quand on en touche un, il y en a 10 qui viennent. Donc, je pensais qu'ils en auraient eu moins que ça. Et bon, bravo à Dahu, hein, avec 5 piranhas. Franchement, pas mal. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Hein. Bonne soirée, Nico Clash. Bonne soirée à tous ceux qui sont derrière. Hein. Et puis, bah, rendez-vous après-demain. Après-demain, c'est l'Alpha Ragnarok. On va peut-être essayer avec Patou le petit boss, le mini-boss de glace. Si on n'y arrive pas, bon, bah, tant pis. On arrête Ragnarok et on va commencer Valguero. Valguero la semaine prochaine ou dimanche soir, ça dépendra de l'heure. Et puis ben, on avance dans l'aventure. Voilà. Donc merci à tous, hein, bonne soirée à tous. Et puis rendez-vous donc à demain soir sans faute, entre 17h et 19h. Voilà, je suis large. Hein. Tout dépendra du temps, des travaux, etc. Quoi. Dimanche, rendez-vous dimanche. Ouais, ah non, pas demain, hein, dimanche. Hein, demain c'est samedi, ouais. Allez, salut, salut à tous et merci encore. Ciao, ciao.